Alors, on va faire une série sur NumPy. Alors, toujours n'importe le module NumPy, on le renomme NP par convention. Ok. Donc maintenant en NumPy l'élément central c'est ça, array. Donc name error parce qu'il s'est pas défini. Voilà, donc tout passe par là. Donc avec le array, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un array, donc un array, je sais pas comment ça se traduit, tableau. Je sais pas si la traduction de tableau elle est idoine. Alors. ArrayList égale. Alors, comment on peut créer un tableau à partir d'une liste? Bah, avec la fonction array, hein. Donc, du coup, ils ont une fonction spéciale. Et on passe en paramètre une liste 1, 2, 3, et voilà, 1, 2. Et voilà, donc c'est bien un tableau. De trois éléments. Ok. Alors l'auteur, qu'est-ce qu'il dit encore, Monsieur Jakubowicz? On peut créer un array à partir d'une suite de nombres. Alors en Python, on avait la fonction range, range 10 par exemple. Print range 10, donc ça. Alors, on a un for i in range 10, enfin, un print i, voilà, 0, ça itère de 0 à 10, pas 10 compris, ok? Donc pour les arrays, il y a le même truc qui s'appelle arrange, pas range, je vais appeler pareil, np.arrange. 10. Et voilà. Donc là, le tableau, il a bien 10 éléments. Alors, pour finir avec ça, il parle de la fonction linspace qui renverra des nombres d'intervalles. Ok. Je sais pas si cette fonction existe. Dans le machin, alors lin cal np.lin space. Alors, ça c'est exactement la syntaxe de tout à l'heure là. Alors, np. J'ai mis un. J'ai mis un E alors qu'il n'y a pas de E. Ok. Alors là c'était des nombres entiers, là c'est des flottants. Là c'est des flottants, mais c'est quoi la différence en fait là? Ça va bien de 0 à 10. Je sais pas ce que ça donne. On va faire un nouveau test là, je vois que c'est pas clair là. Alors 0, 9, mais 1. Alors de 0 à 9, 1, il affiche que 0. Ok. C'est pour ça qu'il a mis 10, et du coup si je mets 15.
Alors, si je comprends bien, les deux premiers arguments, ça vient, c'est bien la plus petite valeur, la plus grande valeur, ok? Maintenant, j'ai demandé 15, il m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, effectivement, il y a bien 15 valeurs. Et les 15 valeurs, ils sont... D'accord, ils sont tous c'est divisé par 15. Alors, ok. En fait, il a divisé l'intervalle 0,9 en 15 fois. Ok. Bon, bah ok, bon. Ok, c'est noté. Bon, voilà pour ça déjà.